petit loupio, je vous retrouve toujours pas maquillée avec mon immense mug de café, ouais. De chez Pound Shop, celui-ci c'est caramel je crois, caramel popcorn. Toujours pas maquillée, même pas coiffée, je me suis dit tiens mets une casquette, ça fera genre. J'avais même mis mes lunettes mais parce que mes lunettes Guess elles sont cassées donc j'ai celles-ci mais elles sont pas anti-reflet donc tu vois. Donc je les garderai pour l'école et puis je pense que je passerai chez l'opticien voir s'ils peuvent pas. Parce que je sais que des fois ils peuvent refaire des... Quand ça fait pas très longtemps ils peuvent refaire eux... Alors déjà ils peuvent refaire des sans ordonnance des lentilles. On va voir pour les lunettes. J'ai un sac plein de choses que m'a filé Jamila. Donc je voulais vous les montrer. Ma copine Jamila, vous savez, elle récupère toujours plein de fringues un petit peu partout et tout. Son mari vend des fringues un peu vintage et tout ça. Donc il en reçoit beaucoup. Donc il trie, etc. Et elle me fait des sacs. Donc voilà. Et bah tiens, j'ai un sac pour elle d'ailleurs. Ouais, j'ai un sac pour elle. J'ai trié mes t-shirts à l'instant. Voilà. Bah oui, bah parce que si elle m'en donne et que j'ai plus de place, et ben il faut bien que je fasse de la place. En fait, on fait des échanges, hein, si tu veux. Ce café. Alors, un petit haut Domios, je pense. Non, Pro Touch. En 40, vous savez. C'est des petits hauts comme ça. Et normalement, si je ne m'abuse, il y a... Oui, voilà. Tu sais, c'est les... Souvent, c'est les... En plus, il y a la bande réfléchissante derrière. C'est pour les gens qui font du footing, ça, notamment, tu sais. Comme ça, au moins, t'es bien protégé. Ça doit être un tissu, comment ça s'appelle? Un peu dry fit. Donc, voilà. Alors, il y a des trucs que je garde, il y a des trucs que je vais filer, etc., etc. Vous savez, comme d'habitude. Ça, j'aime beaucoup. Mais je l'avais déjà regardé. Hein. J'ai déjà regardé. Hein. De Gémeaux, très chic. Et c'est écrit 6e. 6e comme le 6e arrondissement de Paris. Je trouvais ça hyper mignonnet. Le petit top comme ça... Ça, je vais le garder, je le trouve hyper mignonné. Alors, vous devez dire, mais on ne doit jamais porter ces trucs-là, mais parce qu'en fait, je réalise que je suis toujours habillée pareil. Toujours. Est-ce que vous, ça vous le fait aussi, je pense. J'ai un petit... Ah, mais attends, j'avais oublié qu'elle m'avait mis ça. Ah oui, c'est pas mal. Oui, d'accord. Un petit top comme ça, long, sans manche, tu sais, avec un espèce de petit col roulé, quoi. Tu vois ? Un peu marronasse kaki, hein. Ça c'est pas mal avec, tu sais, un fut baggy et tout, tu vois, c'est pas mal. Alors, le truc, c'est que en ce moment, je ne sais pas si ça vous fait... Bon, moi, c'est l'hiver hein, qui veut ça. Je n'arrive pas à... Je n'ai pas envie de m'habiller. Regarde, là j'ai mis un truc primaire que je suis sûre qu'il y a même une tache. Oui, il y a une tache là. Là, j'ai mis mon Misguided Playboy. Alors d'ailleurs, Misguided... Playboy, alors je ne sais pas si tu verras, le truc il bouloge de partout, le rose il se barre, j'en avais acheté 3 ou 4 et j'en ai déjà plus que 2 tellement il s'abîme. Bon, faut dire que je ne porte que ça aussi, je porte en confinement l'année dernière, enfin un an cet hiver, ça va faire un an, oui c'est vrai je dis l'année dernière, j'ai mis que ça, donc c'est vrai que du coup comme je ne porte que ça, fatalement je les lave et du coup ça bouloge et pourtant je lave pas chaud, hein. C'est pas peine de me dire on m'aimait pas, non. Je fais des rapides 30 et tout. Jennifer, taille S, nous avons... Ah, pas mal. Un petit legging. J'ai regardé mes vite fait. Un petit legging, tu sais, style jean comme ça, tu vois. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, ouais. Oh, oui, ça fait vraiment jean. En plus, tu dis, on dirait qu'il y a les poches. Oh, trop cool. Nous avons... Putain, j'ai complètement oublié. Pourtant, j'ai regardé l'autre jour. En 42. Ah, un petit top comme ça. Ah, mais c'est sympa ça, tu vois, resserré en bas, ça fait très festif. Mais je crois qu'elle m'en avait déjà fini un comme ça, de top. Tu sais, il y a un petit nœud là sur le côté, un peu satiné, il est très doux. Et la marque, ACB. ABC plutôt, hein. J'ai refait mes ongles hier soir. Oui, je me suis dit, allez, Macaro, tu te maquilles plus. Alors, j'avais enlevé mon vernis. Et je me suis dit, oh, laisse. Après, je me suis dit, non, remets quand même un peu de vernis, Caro. Oh, ça, j'ai trouvé ça trop cute. Là, oui, bah c'est Kukai. Hein. C'est Kukai, mais je ne sais pas quelle est la taille. C'est un... Alors, par contre, je pense que... Ouais, non, mais moi, je supporterai pas du tout. Ouais, non. Je me connais avec le fil comme ça. Oh, c'est con. Oh, moi, je me connais par cœur. Moi, de toute façon, je supporte rien. Alors. Tu vois, ça fait un petit peu... Bon, je vais en faire don. Je vais en faire don, c'est pas là. Tu vois, un petit peu... Oh, c'est dommage. Non, mais je le sens, rien qu'à le toucher.
C'est un legging avec un espèce de fil en lurex, je crois que ça s'appelle. Bon, Kukai quand même. Il y a un truc là. Ah oui, c'est ça. Que j'aimais bien. Non, c'est chez. Oui, si, c'est ça. California, alors. Et mais tu sais que chez Gémeaux, j'ai l'impression d'avoir lu ce t-shirt-là. Los Angeles. Tu vois, taille M. Pour l'été, ça, c'est super. C'est sympa, hein, les petits t-shirts comme ça. Gémeaux, ils font des trucs sympas, mais tu vois, je pense jamais à y aller. Ah, alors ça. Quand j'ai vu, je me suis dit, mais non, je suis trop love. Ah, c'est un tube top, mais j'avais même pas fait gaffe. Ah oui, c'est pas un t-shirt, c'est un tube top, c'est un t-shirt sans bretelles si tu préfères. C'est un Guess, il est trop beau avec plein de strass. J'aime trop, j'aime trop. La taille, c'est quoi? Attends, il y a une étiquette là. XS, nickel. Bon, ça, c'est pour Bibi, c'est clair. Ok. J'en mets partout. Hein. Ensuite, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Oh, il y a pas mal de leggings. Ah, 170, 176. Ça, c'est peut-être pour les enfants. Ça fait très legging de sport. Tu sais? Oh, oui. Oh, oui. Ça fait très legging de sport, tu vois. J'ai l'impression que ça va être trop grand. Ah non, mais c'est sûr, ça va être trop grand. Non, c'est pas grave, je vais en faire don. Jamila m'a dit, de toute façon, tu fais des dons, tu fais des dons. Elle, ça la dérange pas du tout, quoi. Ah, ça, oui, j'aime beaucoup. Ça, j'avais dit que je garderais, je pense. C'est un petit. Bah oui, vous savez que maintenant, vous me connaissez. C'est le petit débardeur en coton, mais un petit peu crop, tu vois. Donc celui-là, c'est clair qu'il est pour moi. C'est la marque, c'est Mixi. Attends, je te le dis même pas. C'est Mixin taille M. Il y a des étiquettes comme ça, des fois, qui me rappellent des souvenirs, mais je n'arrive pas à savoir où. En tout cas, celui-ci, je sais pas où les mettre. Je sais pas où les mettre. Hop, c'est pour moi. Ah, mais ça aussi, c'est pour moi. Ah bah oui. Zenana Outfitters en taille S, c'est parfait pour l'été. Vous savez que j'adore, j'adore, j'adore ces t-shirts-là. Il a l'air bien stretch. Zenana Outfitters, c'est pas comme Urban Outfitters, Urban Outfitters. Je sais pas, mais en tout cas, ça c'est clair que je le garde même pour aller à la salle de sport ou quoi. Et je crois qu'il y en avait un autre en plus. J'ai l'impression qu'il y en avait un autre. Bon, je vais. Ah, si, il est là. Pareil. Oh, puis alors, j'adore la couleur en plus. Par contre, ce n'est pas la même marque, j'ai l'impression. Ah ouais, mais j'adore la couleur. Et puis, ça ira très bien avec la nouvelle palette de Jeffree Star. Tu avais dit que tu n'achetais plus de palette. J'adore. En plus, la taille, c'est une toute petite taille. Alors, autant j'aime. Alors, vous allez me dire, mais oui. J'ai dit ça l'autre jour à une copine. Elle me dit, oui, ça m'étonne pas. Je crois que c'est Marjo. J'aime tout porter XXL. Moi, si je pouvais, on dirait que j'ai chié dedans, comme dirait ma mère, mais c'est pas grave. Alors souvent on me dit oui mais moi si j'avais un corps comme le tien, moi je m'en fous. En fait je veux pas le montrer, je le connais, moi je le vois tous les jours. Je m'en fous de le montrer, moi je veux être à l'aise. Et du coup j'adore porter XXL. Mais alors, le débardeur qui est là, qui est toujours là, il faut qu'il soit, je ne sais pas pourquoi. Comme ça, et Marjo, je crois que c'est Marjo qui me disait, oui ça fait que ça gaine, ça maintient en fait. Ouais voilà. Mais juste au niveau de là. Et ça franchement merci Jamila, j'adore. Ah gegum. Gegum, je crois qu'ils disent ça les Anglais. Les tops en petits carreaux là, Gegum. Gegum? Oui, je crois que c'est comme ça qu'ils disent le petit carreau. Ça, c'est trop mignon. Alors, moi, je mets pas des chemises comme ça aussi, tu vois, c'est ça le truc. À chaque fois, je les garde et je les mets pas. Donc, je pense que je vais en faire don aussi la petite. Ah, je t'ai pas dit la marque? C'est encore Gémeaux et c'est encore taille 40. Enfin, c'est encore Gémeaux. C'est Gémeaux et c'est taille 40. C'est mignon, hein? Mais c'est vrai que je mets pas, je suis pas à l'aise. Moi, je suis à l'aise que dans les t-shirts. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. D'ailleurs, là, j'ai retrouvé des t-shirts Carhartt que j'avais commandé. Enfin, j'avais enchéri sur eBay. Je suis trop contente. Ah, mais je ne m'en rappelais plus qu'elle avait mis ça. Une robe. Cache-cache 38. Alors là, il paraît que c'est la couleur du moment. Moi, c'est une couleur que je ne porte jamais quasiment, le marron. Mais il paraît que c'est la couleur du moment. Donc, c'est les petites robes hyper, tu sais, hyper, comment? Hyper, hyper, stretch et tout ça, c'est hyper agréable à porter. Hein. Donc ça, nickel. Ah, ça. Ça. Oh, il y a un petit trou à l'entrejambe. Va falloir que je fasse un petit point de couture. C'est quoi la marque Next? Eh ben, Next.
Ah oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. Next, c'est anglais. Ouais. Bah, je suis pas étonnée quand tu vas voir ce que c'est. Alors, eux, ils mettent quoi? 12 ans. Ouais, mais les anglais, ça taille grand. Hein. Regarde. Ils tuent pas, franchement. Alors, va falloir que je fasse un petit point à la pépette parce qu'il y a eu du trou, hein, il y a eu du trou. Mais ouais, je pense que celui-là, je le garde pour moi. 1m52. Mais les anglais, ouais, bah, leur taille, elles sont toujours immenses. Oh, bah oui, largement. Ça va être même trop grand. J'aime trop. Je vais retour laver. Je vais tout relaver, mais celui-là, je le garde. C'était pas fini! Oh, bah non, Jamila, vous la connaissez pas, vous, hein? Ah non, 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 non. 34, 36. Elle en avait mis un comme ça la dernière fois. Et je l'ai mis pour. Je crois que je l'ai mis pour adoration. Mais alors, d'ici que je la vois adoration, je pense que j'aurais peut-être. Je les aurais peut-être plus. Enfin, je les aurais peut-être plus. Et du coup, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la voir. On s'est dit que dès qu'on pouvait se voir, on se verrait. Mais d'ici là, j'aurais déjà retrié 20 fois. Elle aura déjà d'autres trucs. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. Je garde. On ne sait pas d'où ça vient. Il y a un t-shirt. Hein? Ah oui, c'est vrai! Alors voilà, Zadig is glamorous. Zadig et Voltaire quand même. Mais tu sais qu'elle rigole pas celle-ci. Zadig is glamorous. En plus la taille, elle est bien grande. Je vois, on dirait du M. Enfin bien grande pour moi. Hein. Ah, on ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, celui-ci, c'est pareil. J'avais l'impression de, quand j'ai ouvert, que c'était un truc Coca-Cola. Je sais pas pourquoi l'écriture, tu sais. Ce n'est pas fini. Non, 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 non. Il y a ce petit... Ça, c'est pareil, je vais en faire don parce qu'il est déjà trop grand, puis je ne mets pas ça. Il n'y a plus d'étiquette. Il n'y a plus d'étiquette, mais c'est pas grave. C'est un petit débardeur comme ça, tu sais. Voilà, et derrière, tu as l'imprimé un petit peu bestial et il est tout clouté en haut. Attends. Tu vois? Il est joli, n'empêche. Ensuite, mais elle m'a encore mis un top comme ça. Mais oui. C'est pourtant oui. Alors celui-là, il est vintage, hein. Parce que regarde les. Regarde là. Alors qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un top des années 90. Ouais, peut-être. Ah, écoute, j'avais pas vu celui-là. Ou alors c'est parce qu'il était dans le fond. Tu vois un petit peu. Oh, il est sympa celui-là. À voir, je le garderai peut-être celui-là. Bien sûr, mais bon. Et ensuite, il reste deux choses. Alors, nous avons de chez. C'est quoi? Cache-cache, ouais. J'aime bien leur étiquette. C'est grand, non? Édition collection Spring Summer. Ça taille bien. Ah ouais. Mais ça, ça taille bien. Mais c'est quoi taille 2? Moi, il me faudrait taille 0, taille 1 chez eux presque. Tu vois? Parce que là, ça va être trop grand. Encore. Non, ça va être trop grand. Je pense, je le vois. Si, si, ça va être trop grand. Ah, dommage. Et là, nous avons Inextenso en taille S. C'est pareil, qu'est-ce que c'est grand. Mais c'est des grands S, ça. Alors qu'ils ont revu les tailles, hein, tu me diras. Bon, bah, écoute, Jamila, de toute façon, toi, tu sais que je t'aime. Donc, c'est plus la peine de le dire. Je te remercie. Donc, je vais refaire un petit tri hors caméra. Je vais voir ce que je garde pas, etc. Je t'ai préparé aussi des choses... pour toi, pour ton homme, etc. Je vous prépare une facteuse parce que j'ai fait une commande Revolution Beauty et j'ai Jean-Michel qui m'a offert des choses Morphe. Ça va être que du make-up. Alors que j'ai dit que j'en mettais plus. J'attends peut-être demain voir ce que la facteuse m'apporte. Auquel cas, je vous ferai ça, je pense, demain soir en rentrant de l'école ou un truc comme ça. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!